Nous avons décidé de nous engager auprès de l'Université de Strasbourg et plus précisément auprès de la chaire Vin et Tourisme pour pouvoir répondre bien évidemment aux nouveaux défis qui sont devant nous en matière de tourisme de groupe. Se reposer sur l'expertise de professionnels et d'universitaires est essentiel pour réussir justement à répondre aux attentes des touristes mais également aux citoyens qui habitent ce territoire. Et je remercie la chaire ainsi que l'école de management de Strasbourg de nous accompagner dans ce défi. Le soutien de l'Agence régionale du tourisme du Grand Est est à forte valeur ajoutée, à la fois pour la chaire vin et tourisme, pour l'école de management de Strasbourg et pour l'université de Strasbourg. Sur trois différents axes, un premier axe d'engagement sous forme de mécénat, un mécénat donc financier et de compétences, qui va nous permettre de renforcer un lien déjà établi avec le monde du vin et également du tourisme. Deuxième élément, c'est le volet formation, donc qui va permettre à la suite de cette étude de monter et de développer des formations dédiées aux professionnels du vin et du tourisme, mais également aux futurs prescripteurs de la filière, c'est-à-dire les jeunes. Et troisième axe, l'axe recherche, qui est également très important pour une chaire universitaire, et donc des travaux de recherche à la fois sur lesquels on pourra publier en fait, dans des revues spécialisées, et également mener des conférences et faire rayonner en fait, les publications sur la communauté scientifique. Alors un grand merci à la RTGE, à toutes les équipes impliquées dès le départ. Alors je ne vais pas citer individuellement chaque nom, mais on se rend compte qu'au quotidien, c'est très important de travailler dans une équipe projet en co-création sur justement la valorisation en fait de l'expertise universitaire et des compétences des professionnels du tourisme sur le terrain.